les mangeait, on réfléchit. Il y a les gens qui croient que parce qu'on mendie, on est bête. L'autre jour, il y a un type ici là. Il est venu me donner 5000 francs. Macha! Un type que tu n'as jamais vu. Hein? Tu ne le connais même pas. Il te donne 5000 francs. Macha! Moi, j'ai vu le piège à distance. J'ai seulement esquivé comme ça. Nous les mendiants, on mendie, mais on n'est pas bête. Vous savez, quand tu es un mendiant professionnel comme moi, il y a des montants que tu n'acceptes pas. Non. Si quelqu'un te donne comme 5 francs ou 10 francs, ça là tu ne prends pas, c'est la moquerie. Mon frère, toi même tu pars, tu fais quoi avec 5 francs ou 10 francs? Quand tu donnes ton mandat, c'est pour faire quoi? Il faut quand même respecter le métier des gens. Il y a 15 ans, quand je commençais le métier, si 5 francs ou 25, ça passait encore. Maintenant, là, tu pars, tu fais quoi avec ça? Aujourd'hui, à partir de 25, on peut prendre. 50 francs, c'est bon. 100 francs, c'est bon. 200, tu prends. Jusqu'à 500, c'est bon. À partir de 1000 francs, il faut seulement esquiver la malchance. Macha! Nous, on mendie ici au Cameroun. On connaît les Camerounais. Un Camerounais ne peut pas donner 1000 francs à un mendiant pour rien. Quand ça arrive, ça veut dire qu'il est parti voir son marabout. Et c'est le marabout qui lui a dit que si tu vas attirer la chance, il faut être généreux. Macha! Vous-même, vous savez que la générosité des gens commence tellement chez les mendiants. C'est là où les gars commencent à baisser les gros billets pour tirer la chance et laisser la malchance. Macha! Ça, c'est le genre de billet qu'il faut seulement esquiver comme ça. Nous, les mendiants, on mendie, hein. Mais on n'est pas bête. Quand on mendie ici dehors, c'est seulement pour manger, pas pour porter la malchance des autres. À mon entendeur, Charlie. Bonsoir mes copines. C'est comment? Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est sûr qu'il y a les gros noirs qui se demandent, mais la fille, si elle a le sac au dos, elle part où? Moi, mes copines, depuis l'invasion des rebelles dans les pays africains, désormais, je marche avec mes bagages au dos. Maman, dès que j'entends, oui, je détale. Mes copines, vous savez, les rebelles sont imprévisibles comme les t-shirts chinois, hein. Les t-shirts chinois, maman, hey, tu laves une seule fois le lendemain, le cou devient plus large que la hanche. Hey. Mes copines, hey, moi je marche avec mes bagages d'eau, pardon. Au moins, hey, je traverse la frontière. Hein? Mes copines, hey, moi, les rebelles, ils sont aussi imprévisibles comme les préservatifs de maintenant. Tu peux faire comme ça, tu exiges à un gars un préservatif rose alors que c'est la couleur du sida. Maman, j'ai déjà dit aux parents que quand vous parlez de préservatif aux adolescents, ne dites plus jamais chaussette. Mais ils sont là. Tu as vu la chaussette, papy? Tu as vu, voici la chaussette, voici la chaussette. Vous savez que les adolescents sont toujours en train de fouiller dans les affaires de leurs parents. Le jour que le gars veut faire son action derrière la maison, au lieu de prendre le préservatif, il ramasse la chaussette de son père. Moi, je marche avec mes bagages d'eau. Je vous dis. Et mon terrain de prédilection, c'est les frontières. Dès qu'on me dit entre à l'intérieur du pays, je bondis dans l'avion de l'ONU. Non, Fritzi. Mes copines, en passant, permettez-moi de faire une parenthèse pour vous parler des gens qui débarquent toujours chez vous quand vous posez déjà, quand vous descendez la marmite du feu.
Le connard fait, je n'ai même pas envie de manger. Hein. Mais donne-moi d'abord une cuillère, je vais te faire l'appétit. Ma copine, le temps d'un battement de cils, le connard a vu de l'assiette. Ce n'était qu'une parenthèse, mes copines. Je vous dis que, maman, nous sommes forts en Afrique. Mes copines, mais ce soir, si vous êtes avec moi, si vous êtes vraiment avec moi, je vais déclamer une phrase. Et si ça vous intéresse, s'il vous plaît, accompagnez-moi par des applaudissements nourris à la fin. Mes copines, l'Afrique survivra. Compte les comptes, compte les comptes, compte les comptes. Notre Afrique survivra. Maman, moi je suis un voyant. Je vois. Mais je ne fais pas la sorcellerie. Maman, les Africains sont forts. On fabrique les armes en Occident, mais nous on a les rebelles en Afrique. Et quand vous voyez un rebelle africain au front, le gars est maigre comme des siècles de galères, mais le fusil qu'il porte pour nourrir tout son quartier. La semaine dernière, j'ai rencontré un rebelle sur mon chemin. Ma frère, j'ai faim, j'ai faim. Je lui ai répondu que, ma frère, tu as faim, mange la fusil. Mange la fusil. Si tu ne te rassasies pas, tu manges la balle. Si tu ne te rassasies pas, tu manges tes cadavres. Hey, moi, je marche avec mes bagages d'eau. Maman, là où vous êtes là, pardon, chaque soir quand vous sortez de chez vous, prenez les bagages. Parce que, et ne laissez jamais vos enfants à la maison. Vous pouvez faire comme ça là, dès que vous sortez, vous entendez la sirène de l'ONU. Débarrasser l'endroit. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, moi je marche avec mes bagages d'eau. Quand les gens me rencontrent dans la rue, ils éclatent de rire. C'est normal. Je suis un fauteur de rire, pas un fauteur de trouble. Mon père en était un. Maman, après 50 ans passés à la tête de l'État, il nous a confié un soir. Comme je suis mourant, j'abandonne le pouvoir pendant un mois. Je lui ai répondu que papa, ce n'est pas toi qui abandonnes le pouvoir, c'est le pouvoir qui t'abandonne. Hey, moi, je marche avec mes bagages d'eau. Maintenant, même mon voisin, quand je le regarde, c'est avec suspicion. Maman, hey, les fauteurs de troubles, il y en a partout ici. Partout. La semaine dernière, je me suis fait contrôler par un policier corrompu. Maman, le chauffeur et la voiture étant en règle, le connard s'est approché vers moi. Ta voiture, si. Où est son arrache-clou? Les fauteurs de troubles sont partout. Mes copines, je vous dis. Il y a des choses que je vous dis ce soir. Pardon, n'allez pas dire que je vous ai dit ça. Chez nous ici, quand on te vole quelque chose comme la télé, maman, tu pars à la police, dès qu'on te dit l'enquête est ouverte, oublie ta télé. À la rigueur, le gars débarque chez toi et il rafle tout le monde jusqu'au poule. Mon voisin s'est retrouvé comme ça en cellule avec son coq. Il a regardé le policier qui les a raflés comme ça. Et il lui a demandé, mon frère, tu bois souvent quoi? Les fauteurs de troubles, il y en a partout. Même dans ma famille, je vous raconte ça. Je raconte toujours cette blague depuis que j'ai fait le spectacle. Lors de mon premier voyage chez les Blancs, à mon retour déjà à l'aéroport, j'appelle mon grand frère. Allô? Allô? C'est qui là? C'est moi, je suis rentré là. La tournée artistique que je suis allé faire en France est terminée, j'ai décidé de rentrer. Quoi? On t'a chassé ou bien on t'a rapatrié? Non, la tournée artistique que je suis allé faire est terminée, j'ai décidé de rentrer. Fou, tu es fou, tu comprends, hein? À partir d'aujourd'hui, sache que tu es orphelin de grand frère.
Et ce n'était pas tout. Je vous dis, tout ce que je vous dis ce soir, n'allez pas dire que je vous ai dit. Les gars de mon quartier m'ont accueilli. Ah, fou, fou, tu es fou. Un gars qui va au paradis revient en enfer. Fou, 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 tu es fou. Un gars qui va aux Champs-Élysées revient à l'avenue Kennedy. Fou, 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 tu es fou. Un gars qui va à la Tour Eiffel, il revient au monument de la réunification. Caca. Les fauteurs de troubles, il y en a partout. Fou, 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 tu es fou. Un gars qui va chez les blancs. Les blancs, blancs, blancs. Et il revient sur le noir. Le noir, noir, noir. Fou, fou, tu es fou. Un gars qui va chez les vivants. Les vivants, les vivants et les vivants. Et il revient sur le mort. Les morts, morts, morts. Hey, ma copine, alors, hey, je me suis dit, s'il me fallait être un autre pays, hein, je serais la Suisse, la vraie Suisse. Et il paraît que chaque citoyen suisse est une banque en miniature. La banque en Suisse, quand tu es Suisse, tu manges à Genève, tu chies à Yaoundé. À Dakar, à Ouagadougou ou à Malabo, pourvu que ça sente trop mauvais. Une banque, encore en Suisse. Et les Wolowos, ça c'est la magie de les noirs, les blanches, les rouges, les jaunes, même les guingues. Maman, une banque, encore en Suisse. Mes copines, les fauteurs de troubles nous dérangent. Les fauteurs de troubles nous dérangent. Maman, et moi j'ai dit que s'il me fallait être un autre pays, hein, je serais la France. Je serais la France, mes copines. Que tout ce qui respire en Afrique m'appelle ma patrie. D'accord. Ouvrez bien vos oreilles. D'accord. Quoi? Ils ont encore les oreilles aux fesses? D'accord. Oh. Ouvrez bien vos fesses, d'accord. Il n'y a pas d'amitié entre toi, il n'y a que des intérêts, d'accord. Quoi? C'est pas ça la diplomatie? Eh, d'accord, d'accord. Il y a l'amitié entre toi, d'accord. Et puis, liberté ne signifie pas que le gardien de prison est mort, d'accord? Le gardien de prison est immortel. C'est un peu comme Jésus-Christ, Jésus Christ tous. Un bang man ou un tiwan yang kan yong bala boumangoule foupou psi si ma biala bo mari et tout n'gwane n'inga. Mimi Belin Derlo, à propos si pilate tous, d'accord? L'argent pour de l'aide. L'argent, l'argent, l'argent pour de l'aide, pour de l'aide. Liberté ne signifie pas que le gardien des prisons est mort. D'accord. Je me présente. Belinga Mbarga, fils de Mbarga, Belinga. Je suis expert comptable, économiste, chevronné, stratège, agrégé. Mon rôle est de vous vendre ce dont vous n'avez pas besoin et de vous faire acheter ce que vous avez déjà. Comme vous le savez tous, je suis votre nouveau directeur général. Comme vous le savez également, notre entreprise traverse une grave crise. La plus grave qu'elle n'a jamais connue de mémoire de chef d'entreprise. Heureusement, grâce à mon génie, nous venons d'obtenir un prêt de 40 millions de dollars, soit un total d'environ 50 milliards de francs, destinés à financer le programme d'ajustement structurel 4. Les programmes 1, 2 et 3 ayant été gérés par mes prédécesseurs,
Vous comprenez pourquoi ils sont tous à l'université de Kondengi. Mais pour éviter ces dérives, nous avons élaboré une stratégie de réduction de la pauvreté qui s'articule autour d'une croissance forte et rapide. Les dépenses publiques seront réglementées, la bonne gouvernance renforcée, et je vous prie d'applaudir. Bon, pour les dépenses publiques, je pense que nous allons commencer par ma nouvelle villa d'Oja. Et à la clôture qu'il faut refaire, le jacuzzi à installer, le système de chauffage à mettre en place, il y a les meubles et tout ça. Donc, disons, pour ma nouvelle villa à tout casser, 180, 190, 200 millions, ça ira. Et j'espère que vous voyez à quel point nous avons le souci de vos difficultés. Et vous savez aussi qu'un chef d'entreprise doit être présentable pour vendre l'image de son entreprise. Hein? Donc, il me faut de nouveaux véhicules. VX Prado, Mercedes Coupé, compresseur classe S. Et comme il y a trop de stress sur mes épaules, il me faut décompresser de temps en temps. Hein? Un tour à la boule, à Venise, de temps en temps à Kribi. Hein? Et tout ça, c'est pour toucher du doigt vos difficultés. Et mieux combattre vos problèmes. Je crois que vous devez applaudir. Vous voyez donc, chers employés, quand au lieu, nous sommes plus que jamais décidés à alléger vos souffrances. Parce que quand vous souffrez, c'est nous qui souffrons. Nous sommes sensibles à vos malheurs. Et avec ce nouveau financement, les changements vont être radicaux. Nous aurons l'augmentation des heures de travail, la suspension des assurances maladie, la diminution des congés payés, la diminution progressive des pensions vieillesse. Comme ça, après la retraite, tout ce qui vous restera à faire, c'est de crever. Je sais, c'est pas grand-chose, je sais. Mais c'est tout ce qu'on peut faire pour vous dans un premier temps. Après, nous irons plus loin. Ça aussi, ça mérite des applaudissements. Vous savez, chers employés, 40 millions de dollars, c'est pas facile à dépenser. Hein? Même pour un génie comme moi. Et nous autres qui avons la tâche ingrate de diriger des entreprises comme la nôtre, nous souffrons. Nous souffrons pour vous. Et chaque jour, nous sommes contraints de prendre des décisions extrêmes. Par exemple, la semaine dernière, j'ai été obligé d'envoyer ma femme au Japon pour sa chirurgie esthétique. Et ce n'est pas tout. À son retour, elle devait d'abord s'arrêter aux Champs-Élysées pour son shopping et ensuite aux Antilles pour bronzer. Hein? Je ne parle pas de ma fille aînée qui devait aller à Honolulu pour ses cours de natation synchronisés. Sans oublier le chihuahua de ma femme, hein, pour les connaisseurs, ils savent que le chihuahua, c'est un chien pure race, hein, un vrai noble comme chien. Et il devait aller faire ses cours d'aboiement de latin quelque part à Rome. Et vous voyez que ce n'est pas facile pour nous. C'est des décisions qu'il faut assumer. Hein? Il ne faut pas nous envier. Dépenser de telles sommes d'argent, ce n'est pas facile. Je crois que vous devez vraiment applaudir. Hein? Bon, pour vos 15 mois d'arriéré de salaire, hein, on va voir ça après. Il y a plus urgent. Pour les employés qui ont demandé des avancements, vous pouvez toujours rêver. Il est inadmissible que n'ayant pas terminé l'achat de mon nouveau jet privé, que je commence à balancer l'argent par les fenêtres pour payer une bande d'incapables, hein, des feignants comme ça qui n'ont même pas fait la Sorbonne. Vous croyez que j'ai passé des années d'études supérieures à réfléchir pour venir me casser le cerveau pour des vauriens comme vous, pauvres imbéciles. Pardon, je voulais dire, braves employés. Nous travaillons pour vous. Grâce à ce financement, nous allons résoudre tous nos problèmes, pardon, toutes vos difficultés. Et nous avons déjà commencé. Nous avons commencé par les grandes ambitions. Maintenant, nous sommes grandes.
Et bientôt nous allons arriver aux grandes finitions. La preuve, il y a les 25 000. Mais je vois déjà les gens se plaindre, 25 000. Il ne faut pas confondre les choses. On a dit 25 000 emplois et non 25 000 salaires. Il ne faut pas trop demander au bon Dieu. Hein? Vous avez déjà les emplois plus matricule pour le salaire, on va voir plus tard. Soyez patients, laissez-nous travailler. Sur ce, je vais vous quitter parce que j'ai un vol à prendre. Je dois assister à la dernière collection printemps-été de Giovanni à Milano. Si vous avez des questions, je m'en fous. Allez dire. Et si vous croyez que le financement, ça ne va pas suffire, ne vous en faites pas. J'ai déjà prévu un autre dossier pour le programme d'ajustement structurel 5. Pour un génie comme moi, ça ne posera pas problème. On est ensemble. On va commencer, on va continuer à manger la merde comme ça, alors qu'on est chez nous. Si on ne parle pas ici, on va encore parler où? Lui, voilà. Oh, monsieur, monsieur, communiquez! Communiquez! Il y a des siècles que les pickpockets étrangers coupent le bois dans notre village. Donc, on y pense avec nos compatriotes noirs de notre noire chefferie, ils nous ont promis le développement. Ils nous ont creusé quelques puits dans le village et ils nous ont dit, tenez, voilà le développement. Mes frères, le développement se limite sur le puits dans le village. Donc, pour nous, ces promesses sont laissées lettre morte. Quoi? Taisez-vous, enculés! Oui, je vous encule! Communiquez! Communiquez! Hier, il n'y avait pas de mouches dans notre canton. Aujourd'hui, les mouches sont plus nombreuses que nous. Et quand nous descendons dans la rue pour dire non à la maître, la radio nationale dit que nous sommes un parti politique. Que nous voulons la place du président Paul Biya. Alors que parmi nous, il n'y avait ni Emissé Ekani, ni John Fundi, encore moins Kawala. Communiquez, communiquez. Et ils ont envoyé un groupe de tirailleurs qui, au lieu de tirer ailleurs comme d'habitude, a tiré sur nous. Sur 200 grévistes, 300 sont tombés la grève à la main. Et quant au président de l'Association internationale de la démocratie armée jusqu'aux dents, il est parti à la télé et a déclaré qu'en démocratie, la priorité est accordée au dialogue. Alors que celui qui arme les tyrans, qui arme les tirailleurs d'ailleurs, qui au lieu de tirer ailleurs comme d'habitude, tire sur nous. Communiquez, communiquez. Monsieur le président de l'Association internationale de la démocratie armée jusqu'aux dents, nous n'avons pas oublié nos leçons de mathématiques. Si A est en relation avec B, B est en relation avec C, automatiquement, A est en relation avec C. Communiquez. Donc, si c'est vous qui armez les tyrans, qui armez les tirailleurs d'ailleurs, qui au lieu de tirer ailleurs comme d'habitude, les tirent sur nous, c'est vous qui tirez sur nous. Communiquez. Communiquez. Hé, hey, vous aussi, si c'est une insulte. Hé, Mbahonda. La pauvreté n'est pas bien. Mbahonda. C'est toujours les pauvres qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Hé, hey, Mbahonda. Donne seulement 10 000 francs à ce gars-là aujourd'hui, le lendemain matin. Tu sais à qui tu as affaire. Tu sais qui je suis. Vous les pauvres là, il faut quand même vous battre. Vous êtes seulement là. Gouvernement. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Battez-vous aussi. La pauvreté n'est pas bien. Oui. Quand même, tu sais que dans toutes les fêtes du monde, oui, les pauvres se servent toujours en dernier. Pourquoi on leur fait ça? Parce que oui, s'ils se servent avant les autres. C'est le même Cameroun de la nourriture que tu veux voir dans le plat. Hé, Mbahonda!
Est-ce que tu sais que, oui. Parmi les riches, il y a les pauvres. N'est-ce pas, nous tous on regarde souvent à la télé les fêtes qu'on organise à la présidence ici. Oui. Et quand les pères là se mettent à ramasser les cuillères et les fourchettes de Chantou, dans ton cœur tu te dis seulement que le père, pas avec la cuillère en diamant là. Demain matin le père il va te ramener ici. On a failli mourir sans vivre. Maintenant, c'est la vie que va le tuer. Et quand tu vois un opposant politique au Cameroun, tu comprends que la pauvreté n'est pas bien. Quand le type n'est pas encore au gouvernement, c'est la colère que tu veux voir. Paul Biya doit partir. Il faut qu'il parte. Tout c'est tout. Il faut qu'il parte. Mon frère. Quoi? Paul Biya doit partir. Oui. D'accord. Et vous proposez quoi? On s'en fout. Il faut qu'il parte. Les Camerounais souffrent. Tout c'est tout. Il faut qu'il parte. Mais dès qu'on appelle ces gens au gouvernement, un bando. C'est le militant politique que tu veux voir. Vous ne comprenez pas Paul Biya. Il ne se passe pas une minute que Paul Biya ne pense à l'avenir du Cameroun. Et c'est depuis 82 qu'il vous dit ça. Mais on a l'impression que plus le temps passe, plus vous devenez sourd. Je remercie son excellence, monsieur Paul Biya. Président de la République. Chef de l'État. Chef de mon quartier. Chef de mon village. De m'avoir nommé à ce poste. Les genoux nous font déjà mal. Comment le père a fait pour supporter ça depuis les années? Je comprends pourquoi ils finissent toujours sur les béquilles. On a failli mourir sans vivre. Maintenant, c'est la vie de Dieu. Un bandon. Le moto-taxi mène alors. Ils vont se le manger. Mon frère. Le jour que tu surprends un moto-taximan propre, vérifie bien ton calendrier. C'est le jour de Noël. Mon frère, t'as visité. Mais moi j'aime quand même ces gens-là. Ok, tu les aimes. Moi j'aime quand même. Tous les moto-taximens savent que un vrai moto-taximen, c'est celui qui fait un truc quand il est déjà sous son camion. Vraiment, il faut quand même que tu dises la vérité. Quoi encore? Tu connais ta vieille voiture que tu as vendue. La voiture que j'étais vendue, c'est ici que tu viens me saboter. Non, il faut qu'elle dise la vérité. Est-ce que tu sais que tous les jours je suis au garage? Tu es naïf. Tu pars encore au garage. La seule vérité qu'un mécanicien peut dire à quelqu'un qui va vers lui, c'est ta voiture là est en panne. Je comprends pourquoi on dit que tous les techniciens sont maudits. Quand on devait clouer Jésus sur la croix, oui. Regarde, il y avait quatre clous. Non? Oui. Ok. On a remis les quatre clous à un cloueur. Oui. Après. Le cloueur a commencé à clouer la main droite avec un clou. Oui. Il a cloué la main gauche avec un clou. Deux clous. Il devait clouer les deux, puis avec deux clous. Oui. Il y a un clou qui a disparu. C'est pour ça qu'on a cloué les deux pieds de Jésus avec un seul clou. Et depuis le jour-là, tous les techniciens sont maudits. Mon frère. Oui. Je crois que le pervier doit aussi arriver chez les techniciens là. Il paraît que les gens racontent que la rue court que le pervier a repris son
passer les œufs, sinon. Quoi? Grand frère, on voit seulement comment on arrête les gens. Après, on voit les prisonniers. Mais on ne voit jamais l'argent là. Pour finir, on voit seulement les grosses lettres qui sortent de Kondengi. Boup, présidence, boup, Kondengi, boup, présidence, boup, Kondengi. Et puis, nous ici au Kouad, on attend quand même la réponse des lettres là. Oui. Oui. Après, on entend seulement. Dun, 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 dun. Je ne commente pas les commentaires. Mbaondo, recule là-bas. Toi aussi tu es perviable. Mbaondo, on s'en fout. Quoi? On est déjà tous morts ici au quad, papa. Il y a les gens ici dehors qui n'aiment pas voir les autres gens avec l'argent. Mbaondo, oui. En parlant de ça, est-ce que tu sais qu'il y a des gens ici? Quand on est dans la mangeoire, la nourriture bouche sa bouche. Oui, non. Excellence. La pourrie route là, on devait la googler il y a 10 ans. Pourquoi elle n'est toujours pas googlée? On travaille dessus. On va être patient. On est dessus. Donc, comme je